amis. Bon, bonjour à tous. Bon, aujourd'hui, je vais vous parler de comment gérer un petit potager pour pouvoir avoir de la récolte suffisamment, pas trop, et pouvoir alterner avec d'autres cultures. Je prends l'exemple que j'ai, qu'on a eu, voilà. Ici. Ah oui, là, pardon. Ici. Ouais, là. Excuse-moi, Jaco. Là, j'avais les concombres. Bah, il commence à avoir un peu de tâche. Un peu de tâche sur les feuilles, le oïdium. Donc je me suis dit, bon ben, je vais vous faire un parcours, j'ai tout viré tout de suite. Et là, je vais remettre du navet, de la salade. Et après, je vais voir. Tout ça pour pouvoir avoir de la culture qui va se prolonger dans la saison. Parce que j'avais laissé le concombre, déjà, concombre... Bah puis là, il y en avait beaucoup moins, hein. C'était la fin quand même, hein, on voyait. Hein. Mais ça arrivait encore. Oui, il y avait des fleurs encore. J'ai arraché, j'en ai retrouvé 5. Ouais. Les feuilles, toujours. Voilà, donc ici, il y aura du semis de navets, mais ça sera une autre vidéo. Parce que j'ai pas mal de commentaires sur des gens qui ratent leur navet, leur radis, et je pense savoir pourquoi. Bon, ben là, on va partir de la serre, puis je vais vous expliquer les choses. Je vais faire un passage rapide sur le jardin en même temps, Jaco. Comme ça, vous verrez un peu l'évolution. Bon, là, salade, radis, ça lève. Tout ça, c'est OK. Le repiquage des épinards, c'est bon. Pommes de terre, tout. Le terre commence à un peu mieux. Oui, un petit peu mieux. Bon. Ben, en même temps, il ne fait que pleuvoir. De toute façon, on voit le terrain est toujours trempé. Hein, on n'arrose pas, hein, bien évidemment. Voilà, on continue. Bon, voilà, la céleri, hein, les boules commencent à être bien belles. Pas trop de purin à base d'azote comme l'ortie qu'on soude. Tout ça, ça fait monter. Oui, ça risque donc, de faire monter. Si vous en mettez, c'est vraiment raisonnable. Hein. Faut pas en mettre à chaque arrosage. Quoi. On y va? On y va. Belle, hein? Oui. Bol verte. Pas mal, celle-ci. Bon, ici, hein, tout ça, ça va aussi. Ouais. On voit les tomates qui repartent. Oui, Jaco, on voit. Ça, c'est la cure des Brunes-sur-Mer. Oui. Elle donne beaucoup. Beaucoup. Beaucoup pour la fin. Ouais. Petite courgette. Courgette, c'est une fleur. Ça. Et ici, là, il y a un petit courgette qui est de début de saison, mais les autres, là, c'est genre 6 semaines. C'est les derniers qui ont été mis. Hein. Alors ça c'est du rempotage, hein. Donc des fleurs. Là il y a toujours quelques escaroles en rame, au cas où il y aurait des attaques voilà. De climat. Là-bas il y a à nouveau du semis, c'est le semis de mâche. Il est dehors. Hein. Voilà, ici ce sont les petites pensées, et puis voilà du rempotage de salade, les fleurs. Voilà. On y va. Regardez. J'ai fait un arrêt sur l'image. Allez, vu. Bon, ben, en serre. Disons qu'en serre, pour l'instant, tout est encore plein. Oui, ça se maintient. Et je vais vous expliquer un truc que j'avais dit il y a quelques vidéos en arrière. Et je vais vous montrer que c'est efficace. Bon, là, c'est nos poivrons. Ben, disons que pour les poivrons, ils continuent à c'est pas fleurir, mal. Hein. Ils continuent à faire des petits poivrons. Et puis, il y en a des pas mal dedans. Attends, je vais mettre ça voilà. Ici. Voilà. Voilà, les aubergines ont été ramassées. Là, il y en a encore une petite hein, qui arrive. Ouais, dehors aussi, hein, ça a été ramassé, aubergines. Pour l'instant, on dira qu'on se plaint pas. Non, franchement, non. Bah, c'est du F1. Il n'y en a pas beaucoup. C'est peut-être la raison. Mais peut-être aussi. Plus costaud, peut-être. Oui, puis ça produit un peu plus. Mais donc, comme on est dans le nord, vu que ça produit moins, pour nous, ça produit bien. Voilà, c'est exactement ça. Donc là... Je disais dans des vidéos précédentes, j'avais expliqué que je ne coupais pas la tête des tomates très tôt en saison. Mm-hmm. Parce qu'il est souvent conseillé au bout de 3-4 bouquets, on coupe la tête. Pas chez nous. Chez nous, on fait courir en fait. On attache, on fait comme un pied de vigne en fait. Hein, on les fait courir. Ce qui permet de voir ce phénomène. C'est-à-dire qu'on est mis où ? Voilà. Et elle a mis à haut tous les champs à ce coton. Voilà. Pareil. Hein. Oui. Voilà. Donc on voit là, ça fructifie beaucoup. Oui. Hein? Alors, bon, là-haut, je ne sais pas s'il y en a encore, mais c'est bien parti pour. Oui, c'est parti pour. On verra. Donc, voilà, c'est pour ça que je ne coupe pas la tête des tomates
au fur et à mesure que la saison va, va défiler, vous allez consommer. Et ça va continuer à monter, surtout, je parle de ça, surtout en serre. Hein. Ça continue à monter et ça continue à fructifier. Donc on peut avoir de la tomate jusqu'à octobre, novembre. Octobre, novembre. Et qui sait, peut-être décembre si. Comment on ne sait pas là, du tout. Là, monsieur Météo nous donne des jours des beaux temps. Ah oui, carrément. Bon, il y en a certains, ils ont eu le quota. Hein. Je parle de quelqu'un que je pense, là, qui fait des ratatouilles. Il y en a, ils ont eu leur dose de soleil. Nous, ouais. Non. Nous, il nous en manque, donc monsieur Météo est en déficit par rapport à nous. Donc, pourquoi j'ai viré mes pieds de concombre si tôt? J'ai pas récupéré de la place, oui, mais pourquoi si tôt? Parce que du coup, j'en ai plus. Merci. Bon, il y a ceux que j'ai remis. Oui, il y a ceux que tu as remis. Ah, ouais, bon, ils n'ont pas encore commencé à donner. Mais bon, ah, ça ne devrait pas tarder. Ça devrait pas tarder. Attends, commence à... Attends, je vais m'avancer. Là, on voit les... Il est où? Ah, ouais, là. Là, le bonbon. On voit que ça commence. Oui. Mais malgré tout, il y a quand même des feuilles où on voit que ça... On commence déjà. Bah, c'est normal. Hein? Ça, c'est parce qu'il commence à avoir beaucoup d'humidité. Voilà. Il est miaou. Miaou. Comme je disais, il n'arrête pas de pleuvoir. Voilà, donc, il n'arrête pas de pleuvoir, il y a d'humidité. Des coups de chaleur, hein, quand il y a un rayon de soleil, ça chauffe, donc ben, le podium, ça se développe. Bon, j'ai viré mes pieds dehors pour en venir à ça, parce que... Ben ici, ça fructifie énormément. Là, ils sont arrivés en haut, et d'ailleurs, heureusement que Jaco est là, parce que sinon, moi, je fais comment pour aller ramasser ça, ouais, à cette hauteur-là. Une nacelle, il y en a encore quelques-uns. Donc, Là, il fait deux pieds, ici, il y a deux pieds que j'ai plantés en avril, je crois. C'est fin avril, je crois. Avec un filet d'un mètre, mais de large. Filet... On voit bien le filet, enfin, on arrive à le distinguer. Ouais. Et là, on a passé 60 sur deux pieds. Et disons que. Mais ça continue, ouais. Il y en a partout. Ouais, partout. Ça ne s'arrête plus. Donc voilà. Donc je me suis dit dehors, j'arrache pour remplacer par une culture qui. Voilà. Bon, ici j'ai semé du... Ah, attends Jaco, j'ai oublié, je voulais montrer le persil. Je fais une petite marche arrière, donc là le persil est bien levé. Et ici il nous reste encore de la salade aussi. Hein. Donc, alors les oignons. Les oignons, ça c'est du semis d'oignons que j'ai fait pour le printemps. Printemps, été. Voilà, donc trois variétés. Voilà, donc j'ai même semé du Cisco, qui nous a été offert par un abonné Corse. Jean-Marc, oui. Et bon, maintenant, en principe, ça se sème en février, mais comme nous, ils vont rester en serre, j'ai tenté une partie maintenant, puis on a tenté. Je remettrai au printemps si ça marche pas. Voilà. Il y a de l'oignon blanc, ça, c'est pour une consommation très tôt en saison, c'est-à-dire avril, mai. Et j'ai mis du jaune paille, ça sera récolté juin, juillet, pour les conservations. Oui, ça, c'est les plus gros oignons, hein, Jacques, c'est ça. C'est plus gros, c'est jaune paille, c'est plus gros. Mmh. Voilà, donc, il faut continuer, c'est à surveiller tout, parce que... Le milieu est toujours là. Ah oui. La pilonne arrive enfin. On va commencer à arriver avec des nuits assez humides. Oui. Voilà, ici j'ai une attaque, ça fait 3 semaines. Attends, j'arrive. La tige est bien. Bien atteinte. Oui. Mais 3 semaines. Ça monte tout doucement. D'ici qu'il arrive à 2m10. Donc là ici, pour l'instant. Ça continue à fructifier aussi. Voilà. Ici il y a encore pas mal de fruits aussi. Oui. Voilà. Bah, tout le bas a été ramassé complètement. Oui. Et là. Oh, attends, je suis coincé. Hop là. On a eu la grosse. Oui. Je sais plus. 700. Je sais plus, Jean-Paul. Enfin, c'est pas grave. Là, la quatrième cœur de Boulogne-sur-Mer. Elle est belle. Elle est très belle. Et puis elle est mûre. Elle est bien mûre. Celle-ci voilà, va être ramassée. La troisième, on l'a pas gagnée parce qu'elle était complètement toute déformée. Elle était déformée. Donc voilà. Au niveau goût, elle était bonne. Oui, très bon, sucré et tout, mais un peu la bonne forme. Ah non. Donc voilà. Ah ouais, même ici, les jeunes pieds là, même les jeunes pieds que j'ai mis, voilà. Ah oui, bah oui. Les taches. Ouais, c'est comme là-bas. Alors si vous voulez faire un traitement bicarbonate, savon noir pour que ça accroche, ou alors du lait. Ouais, hein, du lait. Du lait dilué à 10%, c'est-à-dire 1 litre de lait pour 10 litres d'eau. Mais avant de traiter, bien sûr, on enlève toutes les feuilles malades. On ne traite pas sur une maladie, on enlève tout et on traite après. Pareil pour le mildiou. Voilà. Disons qu'on enlève tout et on fait un traitement après, mais le mildiou, souvent, s'il fait pas sec, c'est mort. Voilà. C'était une vidéo pour vous montrer qu'il ne faut pas trop tarder
avec une culture, même si on voit que ça donne beaucoup, beaucoup, beaucoup. Diminuer la culture à deux pour la remplacer par autre chose. Pour un petit jardin. Voilà. Et puis ben, la prochaine vidéo, je vous ferai un semis de navet. Et puis je vous parlerai un petit peu du bienfait des jardins. Ça marche. Ouais, c'est un petit truc qui me tient à cœur, si ça. Le bienfait des jardins, le bienfait des potagers. Et autres. Voilà, on vous dit à bientôt. On vous dit à très très bientôt. Et puis ben. Bon jardinage à tous. Voilà. Au revoir.